والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشعبة 61 في مقاربة أهل الدين، وباب صغير تحته في المصافحة والمعانقة عند الالتقاء. On est dans la 61e branche de la foi, fait de s'approcher des gens qui ont la science, qui ont la crainte et la piété. Et c'est un sous-chapitre, le fait de les saluer, et si ça fait un moment que tu ne l'as pas vu, tu le prends par les mains. روى البيهقي عن قتادة قال: قلت لأنس كانت المصافحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. Alors, le fait de serrer la main, à ce sujet-là, قتادة a dit pour Anas, le compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام: est-ce que au temps du prophète عليه الصلاة والسلام vous serrez les mains l'un à l'autre? Il a dit que oui. يعني الرجال يصافحون بعضهم بعضا والنساء يصافحن بعضهن بعضا. ليس أن الرجل يصافح المرأة. C'est-à-dire l'homme serre la main de l'homme et la femme serre la main de la femme. Ça ne veut pas dire que l'homme serre la main de la femme. لا يجوز. Ça c'est interdit. لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يطعن أحدكم بحديدة على رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. النبي عليه الصلاة والسلام dit: si l'un de vous reçoit un coup de fer sur la nuque est mieux que le fait de toucher la peau d'une femme qui n'est pas licite pour lui. Alors ça veut dire on n'a pas le droit de toucher la femme par le fait de serrer la main ou quelque chose de pareil qui n'est pas ton épouse et qui n'est pas parmi le maharim. أيضا روى البياقي عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبدين متحابين في الله يستقبل أحدهما صاحبه فيتصافحان ويصليان على النبي عليه الصلاة والسلام إلا لم يتفرقا حتى تغفر ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر. المراد الذنوب الصغيرة. هذا حديث عظيم. Ça c'est un grand hadith vraiment à mettre en pratique de Anas, que le Nabi alayhi salat wa salam a dit: il n'y a pas deux esclaves qui s'aiment pour l'agrément de Dieu que lorsque l'un rencontre l'autre, il le serre la main et ils font as-salat ala Nabi alayhi salat wa salam sans avoir les péchés qui ont fait avant et après seront pardonnés. C'est-à-dire les petits péchés seront pardonnés par le fait de se saluer et par la suite serrer la main et par la suite faire as-salat ala an-nabi alayhi as-salat wa salam. ايضا عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من متحابين تلاقيا فتصافحا الا تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر. Anas a rapporté que Nabi alayhi salat wa salam a dit qu'il n'y a pas deux personnes qui s'aiment pour l'agrément de Dieu que lorsqu'ils se rencontrent et ils se serrent la main entre eux et par la suite leur péché tombe comme les feuilles des arbres tombent. Mais comme on a dit que ça a été rapporté dans l'autre hadith, ils se serrent la main et ils font as-salat ala Nabi alayhi salat wa salam. وعن عبد الرحمن بن الأسود قال: من تمام التحية الأخذ باليد. Alors il a en rapporte de عبد الرحمن fils de l'Aswad, il a dit: dans la perfection de la salutation, le fait de prendre la main, c'est-à-dire serrer la main, ça c'est dans la perfection dans la salutation. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده عليه ويسأله كيف هو وتمام تحيتكم المصافحة. Alors Abi Umama a rapporté de An-Nabi alayhi salat wa salam a dit que dans la perfection de rendre visite au malade, le fait de mettre la main sur lui et dire comment tu te trouves, comment tu te sens, comment tu es, et dans la perfection dans la salutation, le fait de serrer la main. وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا فحمد الله واستغفراه غفر لهما. البراء بن عازب a rapporté que رسول الله صلى الله عليه وسلم a dit: si les musulmans ils se rencontrent et ils se serrent la main et ils louent Dieu et ils font l'istighfar,
Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à leurs péchés. وروينا عن الشعبي أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا صافحوا فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا إذا قدم من السفر هناك يعانقوا. Alors الشعبي parmi les مجتهدين il a dit que les compagnons de النبي محمد عليه الصلاة والسلام lorsqu'ils se rencontraient ils faisaient la salutation ils se serraient la main ils serraient la main l'un à l'autre. Et si l'un revient de voyage, c'est-à-dire si quelqu'un était absent en voyage, c'est là où il le prend par les bras. On dit al-mu'anaqa, il le serre par les mains s'il est de retour d'un voyage. وعن أيوب بن بشير العدوي عن عبد الله العنزي قال سألت أبا ذر أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل يصافحه يأخذ بيده. Alors on rapporte, le Bayhaqi rapporte de Ayyub, fils de Bashir al-Adawi, de Abdullah al-Anzi, a dit, j'ai posé la question à Abu Dhar, est-ce que le Nabi alayhi salatu wasalam, lorsqu'il rencontrait l'homme, il lui serrait la main, et il a dit, ala al-khabiri saqat, il a dit, ala al-khabiri saqat, il a dit, tu as posé la question à quelqu'un qui connaît le sujet, que je suis dans ce domaine, je connais très bien. لم يلقني قط إلا أخذ بيدي غير مرة واحدة وكانت تلك أجودهن أرسل إلي في مرضه الذي توفي فأتيته وهو مضطجع فأكببت عليه فرفع يده فالتزمني. Alors il a dit comme il a dit Abu Dhar, à chaque fois que je rencontrais le prophète عليه الصلاة والسلام, il prenait ma main, يعني il lui serre la main, il prenait ma main, sauf une fois, et était la meilleure. Et il a envoyé d'après moi, pendant qu'il était malade, dans la maladie après laquelle il est mort, il a demandé que j'arrive, et il était malade, et après laquelle il est mort, c'est-à-dire la maladie de la mort. Il a dit qu'il était allongé. Alors je me suis venu vers lui, alors il a pris sa main, et il a gardé. Il a pris le Nabi alayhi salatu wasalam, il a mis sa main sur lui et il l'a gardé. Et il était très content, Abu Dhar, de cette manière comment le prophète alayhi salatu wasalam l'a approché et il l'a tenu. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا نزلت عليهم 100 رحمة للبادئ منهما 90 وللمصافح 10. Encore un rapport de Omar qu'il a dit, radiyallahu anhu, que le Rasoul alayhi salatu wasalam a dit, si les musulmans ils se rencontrent et ils se serrent la main, il y a 100 clémences qui descendent et pour celui qui a commencé, celui qui a commencé par le fait de serrer la main, de saluer, alors celui-là il aura 90 et pour l'autre qui a donné la main 10. Alors vous voyez maintenant l'importance de donner la main et d'adresser le salam en premier. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول افشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل. ابن عمر rapporté que le رسول عليه الصلاة والسلام disait répondez le salam, donnez à manger et soyez des frères comme Allah سبحانه وتعالى a ordonné. وأيضا مما هو مهم يعني هذا في المصافحة إن شاء الله سيأتي بعد ذلك باب آخر في الهدية. Alors ça c'est au sujet le fait de rencontrer, se saluer, serrer la main, faire الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. Et إن شاء الله on va continuer au sujet de faire des cadeaux, ne serait-ce qu'un siwak ou un bouteille de parfum ou quelque chose. Lillah, c'est quelque chose qui est encore dans la sunna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin.